projet a un double enjeu. Donc le premier qui est d'alimenter en eau en fait la capitale en cas de crise, et le second qui est de produire une énergie renouvelable locale. L'objectif est de couvrir à hauteur de 83% des besoins en chaleur de la ZAC Batignolles pour de l'eau chaude sanitaire et pour du chauffage urbain. En fait, on utilise les calories de l'eau de l'Albien, dont la température est située entre 25 et 28 degrés, mais on ne fait que récupérer les calories. L'eau de l'Albien est intégralement restituée à son environnement. Si vous voulez, c'est des calories qui sont intégrées dans un fluide frigorigène. C'est un fluide qui les transporte et qui va réchauffer un autre fluide. Il y a deux usages. Il y a de l'eau chaude sanitaire, donc avec une température de 63 degrés, et du chauffage urbain pour une température de 45 degrés. Avec cette installation, vous avez de la basse température, de la haute température, de la moyenne température. Très simplement, là c'est une technique de doublé géothermique. C'est-à-dire qu'on a réalisé deux puits dans la nappe de l'Albien, deux puits à environ 700 mètres de profondeur. Un puits d'extraction de l'eau et un puits de réinjection. Donc l'intégralité de l'eau qui a été prélevée dans le puits d'extraction est réinjectée dans son environnement. On ne fait que prélever les calories en fait, de l'eau pour pouvoir créer de la chaleur. La conséquence est la suivante, c'est-à-dire que l'économie de CO2 générée est équivalente à 15 000 allers-retours Paris-New York sur une durée de 30 ans, ce qui est énorme. L'intérêt de cette eau est de pouvoir faire bénéficier aux Parisiens, notamment de la qualité de l'eau de l'Albien qui est d'une très bonne qualité. Elle est riche en fer, par exemple, et elle a des vertus qui sont reconnues depuis pas mal d'années.